La Journée nationale des Patriotes, c'est le moment d'honorer ces héros qui ont courageusement pris une place de géant dans notre histoire et dans notre destin national. Ce sont des gens comme vous et moi qui avaient à cœur le bien commun et qui avaient un courage hors du commun. Aujourd'hui, notre devoir, c'est de célébrer leur mémoire. C'est depuis 2002 que l'on célèbre la Journée nationale des Patriotes. C'est l'occasion de souligner l'importance de leurs actions en 1837 et en 1838. Des luttes qui ont permis à la voix d'un peuple d'être entendue et d'être prise en compte plutôt qu'asservie à une élite britannique qui contrôlait le sort économique, social et politique de notre peuple. Cette journée nous permet de ne pas oublier qu'ils se sont battus pour la reconnaissance de notre nation. Ils ont connu la honte, l'exil, l'emprisonnement et même la mort pour défendre ce en quoi ils croyaient et pour s'assurer que l'on se souvienne de nous. Au fond, l'héritage de ces géants, nous le vivons aujourd'hui. Un gouvernement responsable, une liberté d'expression et une démocratie qui prend davantage compte de la volonté du peuple. Pour réaliser le rêve des Patriotes, il nous manque un bout de chemin. Un bout de chemin pour notre pleine liberté. Et ça, c'est l'indépendance du Québec. Ainsi, nous serons enfin libres de prendre toutes les décisions qui nous concernent. Libres de construire un pays égalitaire et rassembleur qui sera le nôtre. Libres d'accueillir les nouveaux Québécois qui viendront partager notre culture. Libres de prendre toutes les décisions qui nous concernent. Libres de dire non au choix que veut nous imposer le voisin. Libre de choisir son destin. Libre que notre nation porte enfin le même nom que notre pays, le Québec.